Eh bien, chers amis internautes, chers amis auditeurs, auditrices de la radio La Voix de l'Espérance, eh bien, nous sommes heureux, Pasteur Hiro et moi-même, de nous tenir devant vous sur ce plateau pour partager la parole de Dieu en cette belle journée. Eh bien, vous tous qui nous suivez par l'intermédiaire, donc, des réseaux sociaux, Facebook, YouTube, du Centre Média Adventiste. Vous aussi qui nous suivez sur la Web TV, Hope Channel Polynésie, eh bien, très cordial bienvenue à chacun, chacune d'entre vous dans ce partage de la leçon, de la sixième leçon qui s'intitule La lecture de la parole. Eh bien, la muraille de Jérusalem était terminée, avec donc le placement enfin des portes et la muraille, donc l'enceinte en tous les cas de la ville pouvait être sécurisée, gardée en sécurité. Et Néhémie donc avait achevé cette tâche principale. Et quand la muraille donc fut terminée, eh bien les nations environnantes étaient dans la crainte, hein, vous vous souvenez qu'ils avaient mis les bâtons dans les roues pour empêcher cette reconstruction du mur de la ville, et ils reconnurent que cet ouvrage avait été accompli grâce à Dieu. Eh bien, c'est sur cette introduction que je voudrais vous inviter à la prière. Eh bien, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps que tu nous donnes afin de pouvoir ouvrir ta parole, afin de pouvoir la partager, non seulement avec Pasteur Hiro et moi-même, mais aussi avec nos internautes, nos auditeurs et auditrices de la radio La Voix de l'Espérance. Eh bien, permets que ton esprit nous dirige, nous anime durant ce temps de partage et que tu puisses nous assister en Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Bien voilà, Pasteur, le titre de la leçon, donc, c'est La lecture de la parole. Et le centre, donc, de ce chapitre de Néhémie, chapitre 8, eh bien, se trouve dans Néhémie, chapitre 8, verset 8. Eh bien, voici ce qu'il dit. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Eh bien, avant de venir donc sur le centre de cette pensée-là, Pasteur, de quoi parle-t-on lorsqu'on dit bien la lecture de la parole? Bonjour, Pasteur. Bonjour Georges et aussi bonjour à ceux qui nous écoutent, qui nous suivent toutes les semaines. Alors concernant cette lecture de la parole, donc il est important de pouvoir rappeler que, comme tu l'as rappelé au début, la construction est terminée. Donc c'est quelque chose qui a été détruit et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était content à pouvoir reconstruire tout cela. Aujourd'hui, il n'est plus question de briques ni de construction, mais si, il y a toujours cette construction, mais cette fois-ci, ce sera la construction, reconstruction de ce peuple-là. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été à Babylone pendant 70 ans. Donc pendant 70 ans, on va dire, ils ont été habitués à un enseignement, à une éducation babylonienne. Et là, aujourd'hui, on a reconstruit la ville. Et là, il faut reconstruire les habitudes des enfants d'Israël, c'est-à-dire des habitudes des enfants qui ont normalement un Dieu et qui craint Dieu et qui écoutent, qui suit ses ordonnances, ses observations. Alors, donc, voilà un peu en quoi consiste cette lecture. Donc, ce sera vraiment, on dirait, une leçon très importante. On va se trouver autour de la parole et on va voir la question importante, quelle est cette parole? Donc, tu as posé la question, quelle est cette parole? C'est bien sûr les cinq livres, le Pentateuque, les cinq livres que Moïse a écrits. Donc, il y a aussi, bien sûr, la loi de Dieu. Les lois de Dieu, en quoi consiste, on va dire, pourquoi cette lecture est importante, comment il faisait pour lire et ce qui se passait, les réactions qui se passaient lorsqu'il lisait à haute voix. Et on disait, ça ne se passait pas en une heure comme pour nous deux, mais ça se passait presque toute la matinée, en 6, 7 heures, 8 heures de lecture. Pourquoi, voilà. Est-ce que,
qu'est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier en lisant haute voix. Mm-hmm. Et voilà pourquoi c'est important de pouvoir plonger ses regards dans la parole de Dieu. Mm-hmm. Ok. Donc voilà, hein, nous avons aujourd'hui la parole de Dieu, donc la Bible que nous connaissons actuellement. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament, mais à l'époque de Néhémie et du peuple d'Israël, donc de l'époque, eh bien, ils n'avaient que le Pentateuque, ou bien ce qu'ils appellent la Torah. Hein. Mm. Eh bien, Néhémie s'est basé donc sur cette lecture-là pour... voilà, tu annonçais déjà un beau plan. Hein, donc, cette lecture, ce n'est pas seulement une lecture sur les lèvres, une lecture tranquille, une lecture sans effet. Hein. Donc, le texte qui commence donc, Néhémie chapitre 8, versets 1 et 2, nous allons le lire, hein, ce texte-là. « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes, de femmes, et de tous ceux qui étaient capables d'entendre. C'était le premier jour du septième mois. » Donc, il y a plusieurs informations qui nous sont données dans ce premier passage qui nous est proposé. Donc, la première information que j'y ai lue, que nous y avons lue, pasteur, c'est « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme. » Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Alors déjà, un point important à noter ici, c'est que c'est tout le peuple. Donc, c'est vraiment à l'unanimité, ils étaient tous excités de pouvoir se rassembler déjà et de pouvoir écouter la parole. D'où vient ce désir intense de pouvoir se rassembler déjà sur une place publique. C'est ça. Mais quand on dit comme un seul homme, c'est comme si... Il n'y avait pas une foule, mais c'était comme s'il y avait une seule personne. Donc, ils étaient vraiment dans l'unité. Ils avaient hâte. Ils se préparaient justement à recevoir, à entendre cette parole. On se croirait à la Pentecôte, là. Tout à fait. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est bien sûr en relation, c'est-à-dire le Saint-Esprit était présent. Mm-hmm. Parce qu'avant de pouvoir déjà trouver ce désir, il faut qu'il y ait quelque chose qui te pousse. Oui. S'il n'y a pas quelque chose qui te pousse, tu vas ouvrir ta Bible. Tu vas lire même pas 5 minutes, tu vas te dire, bon, je vais passer à autre chose. Mais par contre, si l'Esprit de Dieu te pousse à le faire, ce sera comme une source où tu auras toujours soif de comprendre, de connaître, et tu vas passer du temps. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Si on devait se mettre dans ce contexte-là, ils n'étaient pas en Nouvelle-Zélande où il faisait frais, dans le désert, il y a une chaleur, et là, ils étaient là, attentifs à écouter cette parole. Pendant des heures et des heures et des heures. Une chose ne peut pas se passer sans une intervention divine. Et l'Esprit de Dieu était là. Ils ont encouragé à... Parce qu'il y a un projet dans cela. Comme je disais, après la construction des murs, Dieu veut revoir son peuple. Ramener sur les bases, ramener sur ce que normalement ils ont l'habitude, c'est-à-dire être toujours... en contact avec leur Dieu. Et au travers de cette lecture, c'est comme s'ils se mettaient en contact avec le Seigneur. C'est Dieu qui parlait. C'est la parole de Dieu. Ils étaient là à écouter les ordonnances, les prescriptions que Dieu voulait apporter à son peuple. Merci, pasteur, pour cette information quant à l'Esprit-Saint, hein, qui était là et qui inspirait très certainement chacun, parce que, comme d'un seul homme, d'un commun accord, donc c'est... dès qu'il y a deux personnes, il y a des divergences d'opinion. Voilà. Mais là, c'est tout le peuple qui est là, et comme s'il n'y avait qu'une seule personne. Tout à fait. Et là, on revoit encore une fois de plus, parce que lorsqu'on revient au moment où Dieu a inspiré des personnes qui ont écrit la parole de Dieu, il faut déjà noter que c'était sur plusieurs années, mais c'était le même esprit qui avait inspiré ces personnes-là. Et là, on retrouve encore cette même inspiration. Ils étaient tous là,
qui les a rassemblés. C'est ça. Peut-être les dirigeants, mais lorsque l'homme rassemble... Mais on voit que ça vient du peuple, hein. Voilà. Il y aura peut-être la majorité, mais la plupart, ils vont peut-être... Mais là, c'est tout le monde était là. Donc c'est divin. C'est quelque chose, voilà, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de divin où Dieu a incité, Dieu a invité son peuple à s'approcher et surtout à préparer leur cœur à écouter sa parole. Donc ils se réunissent sur la place et ils ont une requête. Ils disent à Esdras, donc le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Donc voilà, hein, ce livre de la loi que Moïse a compilé, hein, donc ce Pentateuque dont on parlait tout à l'heure, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Hein. Eh bien, ce livre de la loi-là, pour les enfants d'Israël, était donc suffisant pour leur instruction. Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui avons toute la Bible, est-ce que c'est juste nécessaire pour nous, c'est juste assez d'avoir le Pentateuque et de nous baser sur le Pentateuque, ou bien il est nécessaire d'aller voir aussi les autres ouvrages, les autres livres de la parole de Dieu, de la Bible? Alors, il est vrai que, bon, la Bible, c'est un ensemble de livres. C'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque où il y a plusieurs livres à l'intérieur de ce livre-là. Mais, comme je disais, par rapport à l'inspiration, c'est un seul esprit qui a inspiré. Et peu importe, on va dire, les différents contenus qui peuvent se retrouver dans chaque livre, mais il y a toujours un fil conducteur, il y a toujours un point commun entre la Bible. Donc, pour résumer un peu ce qu'est la Bible raconte comment Dieu a créé toutes choses. Et aussi, il y a ce qu'on appelle des prophéties qui ont renvoi à la venue du Messie. Donc, on arrive aux évangiles, aux cinq évangiles, où on raconte ce que Jésus avait fait lorsqu'il était sur terre. Et là, ce n'est pas encore terminé, parce que là encore, la Bible va nous conduire vers des éléments futurs, et cela concerne le retour de Jésus, le jugement et tout ce qui se passe avant que Jésus revienne. Donc, il y a bien sûr des histoires magnifiques qu'on peut retrouver dans la Bible, mais le plus important, c'est de bien voir, de bien connaître ce Jésus qui était présent à la création, qui est Dieu. Et aujourd'hui, il donne cette parole pour nous aider, pour nous conduire sur ce chemin, sur notre vie. Et grâce à cette parole, nous pouvons savoir où nous allons. Parce que sans cette parole... On vit le jour, on ne sait pas, il n'y a pas d'objectif dans la vie, il n'y a pas de sens. Mais grâce à cette parole, grâce à Dieu qui nous a donné cette parole, nous pouvons savoir où nous allons exactement, et surtout, où nous allons nous arrêter. Est-ce que la mort, ce sera la fin pour tout, ou c'est une étape parmi tant d'autres? Il y a l'espérance. Il y a l'espérance, et cela... Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci Seigneur pour cette parole. Car c'est seulement la Bible qui nous dit de toutes ces choses que nous subissons aujourd'hui et qui va se passer à l'avenir. Sans la parole, il n'y a pas d'autre chose qui pourra nous révéler ce qui va se passer dans le futur. Grâce à cette parole, grâce à Dieu, nous pouvons connaître notre avenir. Nous pouvons aussi connaître ce qui se passe aujourd'hui. Ok. Alors, je vois dans le verset 2, hein, Néhémie chapitre 8, verset 2, « Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, donc composée d'hommes, de femmes. Ce que j'entends dans ce passage, c'est que même si la sacrificature, même si la loi n'était plus... Enfin, le Pentateuque n'était plus à l'ordre du jour pendant ces années sombres d'exil à Babylone, eh bien, le sacrificateur est là. La parole de Dieu est là, qui subsiste, même si la liturgie, même si les fêtes ne sont plus fêtées, célébrées, eh bien, le dispositif est toujours en place. Et ça, on peut louer le Seigneur pour ça. Hein? Parfait. Voilà. Alors, les personnes qui sont là, donc ce sont des femmes et des hommes et des femmes, mais surtout, ils étaient tous capables de l'entendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par « ils étaient tous capables de l'entendre », donc cette parole de Dieu. On imagine qu'ils sont quand même quelques milliers
Oui. quelques milliers qui se rassemblent sur cette grande place-là. Et à l'époque, je ne pense pas qu'il y avait les super micros, les super haut-parleurs. Il fallait une super concentration pour pouvoir bien entendre, bien saisir le message Aussi, qui se lisait. tout à fait. Donc voilà, il fallait pouvoir entendre distinctement la parole, hein. Ceux qui sont à côté, ils entendent, et ceux qui sont au loin, eh bien, ils peuvent aussi entendre parfaitement, hein. Alors, la fin du verset nous dit, c'était le premier mois, ben pardon, le premier jour du septième mois. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce septième mois-là? Est-ce qu'il y a des... Ils appellent ça la fête des trompettes. Alors, qu'est-ce qu'ils font pendant la fête des trompettes? Ben, ils se reposent et ils sonnent de la trompette. Alors, il faut savoir que dans les fêtes juives, il y a des choses qui sont passées dans le passé où ils commémorent justement les choses du passé. Il y a aussi des choses qui vont les envoyer vers le futur. Et la fête de la trompette, c'est justement pour annoncer, pour rappeler qu'il y a quelque chose qu'ils attendaient, c'était la venue du Messie. Voilà. Donc, le fait de pouvoir vivre justement ces expériences-là, ces fêtes-là, c'était pour vraiment marquer. Il y avait des événements qui s'est passé dans le passé. Il y a aussi des choses qui devaient se passer dans le futur. Dans le futur, hein? Ok. Donc, voilà donc le peuple donc qui est là, qui est à l'écoute et qui est en comment dire en cheminement, hein, ce peuple-là qui a été donc on le disait tout à l'heure, il y a ceux qui sont restés à Jérusalem, mais ceux qui sont partis en déportation et qui sont donc revenus pour construire la cité, hein. Le verset 3 nous dit, Néhémie chapitre 8, verset 3 nous dit, Esdras lut le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça peut prendre 6 heures minimum. Hein? Voilà, parce que pour eux, la première heure du matin, c'est 6 heures du matin. Hein? Donc jusqu'au milieu du jour, donc c'est 12 heures. Hein? Donc depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, donc cette même place-là, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui sont capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Magnifique. Tout à fait. Cette attention-là, cette concentration dont tu parlais tout à l'heure, 6 heures D'affilée. 6 heures d'affilée. C'est un miracle aussi là. C'est pour tout simplement dire que ce n'est pas quelque chose que l'homme a envisagé, mais c'est quelque chose qui a été inspiré par Dieu lui-même. Dieu a préparé son peuple à écouter, parce que Dieu savait que c'était quelque chose de très important, qu'il ne fallait pas rater cela, il fallait être prêt à écouter et se préparer justement aussi à écouter cette parole-là. C'est ça. Donc, le Seigneur a préparé les cœurs. Hein? Le Seigneur a... Mais ces cœurs-là devaient encore être travaillés, modelés. Mais en fait, Dieu avait créé un désir profond donc de la présence, de sa présence, hein, dans nos vies. Aujourd'hui, ben, comment appeler le peuple? Comment appeler nos enfants? Comment être ce lecteur de la parole de Dieu? Avant d'avancer un petit peu. Bien sûr, Dieu ne se manifeste pas aux personnes qui ne le désirent pas. Il faut déjà cette volonté sincère, profonde, de vouloir entrer en la présence du Seigneur, surtout vouloir écouter, vouloir lire sa parole. Car si sans cette volonté, on ne pourra pas, on va pas trouver la lecture intéressante, au contraire, elle va être C'est ennuyeuse. ça. On va même pas trouver ce désir de pouvoir même ouvrir déjà. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette volonté de vouloir rechercher l'Éternel, de vouloir connaître qu'est-ce que Dieu attend de moi, avant de pouvoir se lancer justement dans cette lecture passionnée. Ok, donc nous allons continuer notre lecture, hein, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Donc ce rapport avec la parole de Dieu, eh bien c'est à nous à le mettre en place, c'est à nous à demander au Seigneur
de pouvoir être connecté à lui, donc à sa parole. Alors, Néhémie 8, versets 4 à 8, nous dit ceci. Ezra, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient donc 13 personnes. Mm-hmm. C'était donc Matitia, Shema, Anadja, Uri, Hilkija et Maseja. Et à sa gauche, Pedadja, Mikaël, Milkija, Hashum, Hashbadana, Zacharie et Mushlam. Donc voilà les personnes qui étaient donc à sa gauche et à sa droite. 13 personnes. Ensuite, Ezra ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Verset 6. Ezra bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen, ou bien ainsi soit-il. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Verset 7, Josué, donc 13 autres personnes, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shebetai, Hodidja, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Peladja et les Lévites, donc expliquèrent la loi au peuple et chacun restait à sa place et il lisait distinctement le livre de la loi de Dieu et on donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc voilà, deux groupes de 13 personnes. Donc au début du texte, on nous dit qu'ils ont construit une estrade en bois. Qu'ils ont placé donc sur cette place-là. Et cette estrade était, je pense, assez haute, hein, puisqu'ils surplombaient donc, le peuple. Estrade surplombait le peuple. On m'a dit que c'était le système de sonorisation de l'époque. Il n'y avait pas d'envoi, il n'y avait pas de sonon. Pour propager. Donc, hein. Pour pouvoir porter sa voix le plus loin possible, il fallait être en hauteur et puis les gens étaient en bas. Ça... Uh-huh. Donc cela rappelle que c'était un moment très important qu'on a tout fait, on a tout mis à la disposition justement afin que cette parole puisse être portée le plus loin possible et que chaque oreille qui était présente ce jour-là puisse entendre et comprendre la parole. Parce que lorsqu'on parlait justement de ce moment où il y a une prédication, il y avait un message qui était lu. Mm-hmm. Donc il y avait ces deux groupes de personnes. Il y avait le premier groupe, il aidait Ezra justement à dérouler. Parce qu'il ne faut pas oublier, à l'époque, la parole de Dieu n'était pas dans un livre comme ça. C'était des rouleaux. Oui. Et des rouleaux qui pesaient. Oui. Voilà, imaginons, voilà. Donc, il fallait manipuler. Il fallait beaucoup de personnes pour pouvoir dérouler. Mm-hmm. Il y a un qui déroule, il y a un qui enroule encore. Mm-hmm. Voilà. Donc, il y avait cette première équipe. Et la deuxième équipe, on parlait d'interprétation. Mm. Alors, dans le sens d'interprétation, on peut comprendre interpréter la signification. Mm-hmm. Il y a aussi, il ne faut pas oublier que la langue originale de l'Ancien Testament, c'est bien la langue hébraïque. Mm-hmm. Alors qu'à l'époque, ce n'est pas tout le monde qui comprenait l'hébreu. Mm-hmm. Parce que la langue, c'est la langue araméenne, c'était la langue parlée de tout le monde. Alors, si on parlait et puis il n'y avait pas grand chose. Mm-hmm. Alors que là, on disait que tout le monde entendait. Mm-hmm. Donc, il y avait une équipe qui interprétait, qui traduisait en simultané, je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, ils comprenaient. Mm-hmm. Et c'est ça l'essentiel du message. Ouais. Ce n'est pas juste de lire à haute voix comme ça, mais il faut que le message, lorsqu'on sort de la bouche de quelqu'un, que la personne puisse entendre et comprendre qu'est-ce que ça. On est en train de lire là-dedans. Donc, il faut aussi peut-être rappeler à nos auditeurs et auditrices que il y a deux groupes de personnes aussi qui sont là pour, il y a ceux qui sont restés en Babylone, qui n'ont pas été déportés, donc qui comprenaient bien l'araméen, mais il y a ceux qui ont été 70 ans quand même, c'est une génération. Donc les jeunes qui reviennent ne parlent pas forcément comme nous ici,
nos enfants ne parlent plus forcément le tahitien. Certains Mmh. comprennent Oui. et d'autres ne comprennent Oui. plus du tout le Oui. tahitien. C'est Donc, vrai, c'est vrai. voilà, c'est un phénomène aussi qui s'est passé à ce moment-là, donc avec les enfants d'Israël. Hein. Alors, moi, par rapport à cette lecture de la parole, on nous dit bien de comprendre. Hein. Donc, il y a une interprétation, donc il y a une explication qui est donnée derrière cette parole. Et est-ce qu'ils ont pris le temps d'expliquer? Est-ce qu'il y avait des questions qui étaient posées? Parce que, il y avait encore des endroits un peu sombres. Alors, je trouve plus le texte. Ah, voilà. Apocalypse chapitre 1 nous dit ceci. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire dans heureux ceux qui, à l'époque donc de Néhémie, ont entendu la parole, on leur a expliqué la parole ou réexpliqué la parole, et nous aujourd'hui, donc, cette parole de la parole de Dieu, bien sûr, mais cette parole prophétique qui est précisée ici, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a Oui, tout à fait. Il y a un lien très proche, c'est-à-dire même des centaines, des milliers d'années plus tard, cette bénédiction, elle est toujours là pour ceux et celles qui désirent lire la parole. Il y a une bénédiction qu'on peut retirer lors de l'étude de la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas l'homme qui a dit, c'est Dieu-même qui le dit. Heureux celui qui lit. Voilà. Ouais. Donc cette bénédiction de pouvoir Et entrer ceux dans, aussi qui entendent, hein? c'est aussi pour nous. Voilà. Donc alors. Concernant cette lecture, donc la leçon de cette semaine, bien sûr, on parle de la lecture de la parole, mais il faut comprendre que pour que cette lecture puisse être efficace dans notre vie, il ne suffit pas de lire tout simplement, de lire, d'entendre et aussi d'appliquer ce que nous avons lu. Car ça ne sert à rien si on lit et on dit, ah ok, elle est belle cette parole, elle est belle cet évangile, et nous ne faisons rien pour accomplir, donc il n'y en aura pas. Nous n'allons pas retirer quelque chose de cette lecture-là. Lorsqu'on lit quelque chose, parce qu'on a compris quelque chose, et parce qu'on a compris quelque chose, on veut faire la volonté de Dieu, parce que nous avons compris ce que Dieu attend de ses enfants. Voilà. Donc voilà, ce n'est pas juste une question de lecture, on lit la parole et puis c'est tout. Il y a une lecture, il y a une compréhension, et il y a une application juste après cette compréhension. Voilà comment doit se passer la lecture de la parole de Dieu? Ce n'est pas une question tout simplement de lecture. Lecture, compréhension et application après. Je pense que la parole de Dieu a besoin de ça, mais dans la vie aussi de tous les jours, lorsqu'on lit quelque chose, si on ne comprend pas, Tout à fait. ben on peut pas aller plus loin tant qu'on n'a pas compris, hein. Et là, je pense à l'Éthiopien. Oui. L'Éthiopien qui lisait la parole de Dieu, donc c'est le livre d'Ésaïe qui était donc entre ses mains. Il lisait, et on parlait de quelqu'un qui a tout mis en place, qui sans souffrir, enfin il a souffert sans ouvrir la bouche, mais de qui on parle? Et donc providentiellement, le nuque donc, cet Éthiopien, voilà, je cherchais, donc cet Éthiopien a eu cette visite. De Pierre, donc De Philippe. pardon, de Philippe. Philippe, pardon, Oui. excusez-moi, de Philippe, voilà. Donc, lorsqu'on lit quelque chose, lorsqu'on lit des informations, nous avons besoin de comprendre, et encore plus la parole de Dieu. Souvent, certains passages, humainement, ne sont pas, sont peut-être un peu compliqués à lire, ou bien on a l'impression que la Bible se contredit, hein? Donc, il faut vraiment lire le contexte, Parfait. s'imprégner, et surtout, ce que je dis toujours à la maison, avant d'ouvrir la parole de Dieu, eh bien, peut-être demander la présence du Saint-Esprit pour qu'il se connecte à notre esprit, pour qu'il nous éclaire Tout à fait, c'est sur notre primordial, c'est lecture. même essentiel.
Car sans l'Esprit de Dieu, on ne saura comprendre. Car comme c'est lui qui a inspiré des personnes, voilà. Donc il faut lui demander, mm-hmm. c'est dans quelle intention il a voulu écrire cette idée, cette pensée-là. C'est ça. Car sans l'idée, sans l'Esprit de prophétie, nous ne pouvons pas comprendre réellement le mm-hmm. sens ou la profondeur, la signification de ce que l'auteur, de ce que le Seigneur voulait qu'on puisse comprendre. Mm-hmm. En revenant sur l'Éthiopien et Philippe, oui. hein, ils étaient en charrette, au train sur la route. Mais là, il y a quelque chose de formidable qui se passe. L'Éthiopien a compris quelque chose. Eureka. Il n'a pas dit, ok, je me prépare, dès que je vais arriver. C'était là, sur le champ. Et là encore, on voit encore l'Esprit de Dieu travailler. Il voulait comprendre, il lisait, mais il ne comprenait pas. Oui. Philippe est là, en train d'expliquer. Et lorsqu'il a compris, Eureka. Qu'est-ce qui m'empêche? Oui, tout à fait. Tout de suite. Dans l'eau. Et là, on voit encore l'Esprit de Dieu qui travaille. Lorsque on a compris, lorsque notre esprit s'ouvre, lorsque nous acceptons l'Esprit Saint en nous, nous n'allons pas attendre. C'est là. On a compris quelque chose. D'ailleurs, on le voit bien dans la leçon de Colu Sabat, dans Néhémie, lorsqu'il parle que après avoir entendu la parole, ils se mirent à pleurer. C'est ça. Mais c'est pourquoi ça. Ils se sont mis à pleurer? Là encore, c'est le travail de l'Esprit Saint. Pourquoi ils pleuraient? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont eu mal? Peut-être pas physiquement, mais à l'intérieur, ils ont eu mal. Le travail a commencé, continue. Et pourquoi ils avaient mal? Et là encore, c'est formidable de voir comment Dieu se révèle. Parce qu'au travers de cette lecture, ils ont compris une chose très importante. Ils ont compris que le Dieu qu'ils servaient est un Dieu saint. Et ils ont compris aussi qu'ils s'étaient éloignés loin, très loin de Dieu. Et lorsqu'ils ont compris cet éloignement, ils se sont voulu dire, mais pourquoi ils ont choisi de s'éloigner. Et là, le fait de pleurer, c'est vraiment de pouvoir reconnaître qu'ils se sont éloignés de Dieu et ils veulent revenir vers l'Éternel. Lorsqu'une personne accepte Jésus, souvent la personne pleure, comme ces personnes de l'époque. Ils ont pleuré parce qu'ils voient le mal qu'ils ont fait à Jésus. Tous les jours, ils n'arrêtaient pas de faire du mal. Comment on peut faire du mal? Tout simplement en péchant contre l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé envers ces personnes, et c'est ce qui se passe encore pour nous aujourd'hui. Lorsqu'on se rend compte combien nous faisons souffrir, et ça peut aussi arriver dans notre famille, lorsque les enfants font souffrir les parents sans le savoir. Et le jour, lorsqu'ils deviennent adultes, lorsqu'ils comprennent, et parfois, malheureusement, c'est trop tard, les parents peut-être ne sont plus là, et c'est là qu'ils vont pleurer amèrement, parce qu'ils regrettent amèrement. Pendant toutes ces années, les parents ont toujours voulu leur bien, mais ils ont toujours ignoré. C'est exactement ce qui se passait pour le peuple d'Israël à l'époque. Pendant plusieurs décennies, ils étaient là en train toujours de pécher contre l'Éternel. Et là, c'est cette reconstruction de ce peuple et c'est là qu'ils pleurent. Mais pourquoi nous avons été désobéissants? Pourquoi nous n'avons pas? Et là, merci Seigneur, ce n'est pas encore trop tard. On rassemble encore ce que le mal, ce que le péché a brisé dans leur situation. Et là encore, on retrouve encore ce formidable pouvoir de l'Esprit Saint au travers de cette parole. C'est ça. Les cœurs sont troublés, ils versent des larmes. Qui va pleurer pour une histoire? C'est juste tout simplement pour dire que la Bible, ce n'est pas juste un livre d'histoire. C'est son histoire, l'histoire de l'Éternel, l'histoire de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes tellement heureux de pouvoir avoir cette parole entre nos mains. Cette parole qui nous dirige, qui nous envoie vraiment à faire l'expérience des choses magnifiques. Là, nous voyons des choses qui se passent et qui sont magnifiques dans l'histoire de Néhémie ainsi que les enfants d'Israël. Aujourd'hui encore, nous pouvons faire cette expérience. Avec le Seigneur, avec sa parole. Et c'est ce qui est magnifique. Tous les jours, nous pouvons bénéficier des choses magnifiques au travers de la lecture, de la compréhension et surtout de l'application de sa parole. C'est ça. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas, nous, vis-à-vis de sa parole, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes en train de rechercher l'Éternel ou pas?
Mais c'est tellement dommage que nous laissons passer cette parole au-dessus de nous, nous ne prenons pas le temps de plonger nos regards dans ces écritures afin qu'on puisse aussi recevoir ces nombreuses bénédictions que Dieu est prêt à nous donner. Mmh. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette lecture, par rapport à la compréhension de la parole. Donc le verset 9, verset 12, hein, donc ce que tu viens de dire, pasteur, oui, donc Néhémie, 9, ouais. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites, qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Hein. Ensuite, ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, et pour envoyer des portions, et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Donc voilà, tu disais que les larmes, c'était des larmes de contrition, des larmes de repentance, des larmes. Ils ont compris combien ils étaient éloignés, s'étaient éloignés de leur Père céleste, hein, de leur guide. Tout à fait. Voilà. Il ne faut pas oublier que la compréhension, pour nous aujourd'hui, lorsque on lit un peu les histoires de l'Ancien Testament et puis les évangiles du Nouveau Testament, on a l'impression que nous avons deux dieux différents. Le dieu de l'Ancien Testament, c'est celui qui punit, c'est celui qui afflige, c'est celui... Et le dieu de l'Ancien, de Nouveau Testament, c'est le dieu d'amour. On a l'impression que c'est le même dieu. Et c'est important, justement, et au travers de cette lecture, de cette compréhension, ils ont finalement compris que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas un Dieu comme ils pensaient, c'est-à-dire un Dieu qui punit, un Dieu qui se venge. Pas du tout. Et là, ils avaient besoin de comprendre, de voir les choses selon la vision de Dieu. Et c'est quoi la vision de Dieu? Le verset que tu viens de lire, il m'a dit, mais allez manger, réjouissez-vous. Et là, on se dit, mais on ne comprend plus rien. Pourquoi Dieu est content? Tout simplement parce que Dieu a vu qu'ils ont reconnu. Et c'est ça la qualité la plus importante pour chaque individu. C'est de pouvoir reconnaître qu'effectivement que nous sommes rien sans Dieu, que nous sommes des personnes qui font du mal tous les jours. Mais nous avons besoin d'un sauveur. Et le Seigneur a vu ça dans les enfants. Ils avaient vu qu'ils avaient soif de la présence de Dieu. C'est le plus important pour le Seigneur. Pour nous, aujourd'hui, ça n'a pas du tout changé. Même s'il y a d'autres qui pensent que Dieu est un Dieu très méchant, il punit. Non, ce n'est pas ça. C'est important pour nous de savoir, de comprendre la nature de Dieu. Dieu est amour, sans jamais changer. Cet amour, il est toujours là. Mais c'est notre compréhension qui fait qu'on a l'impression, c'est juste une impression que nous avons, que Dieu est un Dieu tyrannique, ce n'est pas tout ça. Alors, par rapport à ce, comment aider donc ceux qui voient en le Dieu de l'Ancien Testament, ce Dieu vengeur, ce Dieu... Alors qu'il a dit que je suis lent à la colère, je punis jusqu'à la quatrième génération, mais je bénis jusqu'à la millième. Le Seigneur que je connais, c'est un Dieu de justice. Donc, la justice a besoin de prendre sa place. D'avoir de la rigueur. Et parfois, la justice, on va dire, fait mal un peu. Mais cette justice a besoin d'être là, parce que sans cette justice, on ne pourra pas aboutir à quelque chose de bon. Donc, pour moi, je vois, c'est ce que les autres voient comme une punition, simplement une justice. D'ailleurs, la parole de Dieu, elle est là pour nous rappeler
Si nous voulons marcher sur le droit chemin, nous allons hériter des bénédictions. Donc le fait de pouvoir dévier notre chemin, qui l'a dévié ? C'est nous-mêmes. Donc le fait de pouvoir sortir de ce chemin de bénédiction, il ne faut pas appeler se plaindre, mais Seigneur, pourquoi j'ai toutes ces malédictions ? Pourquoi ça m'arrive à c'est moi ? C'est nous-mêmes. Ouais. Voilà. Et heureusement qu'il y a ce chemin. Ce chemin, il est là. On se met sur ce chemin, nous héritons de toutes ces bénédictions. Nous sortons de ce chemin, c'est nous-mêmes qu'il faut blâmer. Mais pourquoi je suis sorti de ce chemin ? Aujourd'hui, je rencontre toutes ces malédictions. C'est nous-mêmes qui avons cherché cette malédiction. Parce que le Seigneur veut qu'on puisse être toujours béni. Ça a toujours été son plan depuis le jour où il a créé les premiers êtres humains. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas du tout changé. Voilà. Donc, on va rester encore un petit moment sur cette justice et cette grâce, pasteur. Hein. Comment concilier donc la justice et la grâce ? Parce que la justice a besoin d'une rigueur. Hein. Et la grâce, on a l'impression donc à ce moment-là qu'il y a des largesses qui sont octroyées à certaines personnes, qu'il y a des, du favoritisme. Comment concilier donc cette rigueur de Dieu et cet amour infini de Dieu ? Comment avoir en tous les cas une piste, avoir un petit éclairage, parce que nous n'aurons pas l'éternité pour expliquer l'amour de Dieu. Hein. Tout à fait. Justice, hein, mais voilà, il sera justifié en tous les cas au regard de l'homme, hein, des nations, lorsqu'il reviendra. Bien, chaque décision de Dieu, Dieu doit se justifier, parce que c'est Satan qui l'accuse d'être injuste, justement. Hein. Ouais. Donc, voilà. C'est on ne peut pas être juste et amour en même temps. Moi, je le peux, dit Satan. C'est vrai que très, très souvent, on a tendance à avoir cette pensée de voir ou d'avoir un Dieu un peu injuste. Parce qu'il y a tellement de choses, je parle tout simplement, la perte d'un être cher. La perte d'un enfant, d'un jeune homme. Voilà, des fois, on se dit, mais Seigneur, si je vis, si c'est pour faire l'expérience de cette perte, mais je ne comprends pas. Ouais. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Et puis, mais là, comment comprendre la chose ? Alors, il est important de pouvoir voir les choses comme Dieu le désire. Il y a ce qu'on appelle avoir une confiance totale en l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela sous-entend en tant qu'enfant de Dieu ? Faire confiance en l'Éternel. Comment je dois faire confiance ? Et j'aime beaucoup ce que le moniteur qui dit ici. Une telle confiance en Dieu nous élève et nous donne le courage nécessaire pour affronter une épreuve dans la journée. Elle nous empêche de broyer du noir et de nous apitoyer sur notre sort à cause de notre situation. Faire confiance à l'Éternel, c'est de pouvoir dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais ce que je sais, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu qui nous veut du bien. Peu importe la situation, même parfois très, très difficile, mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et notre position, c'est de dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai confiance et j'aurai toujours confiance en toi. Amen. Très souvent, on se dit, mais ça y est, c'est un malheur qui m'arrive. Et puis des mois, des années après, on se dit, finalement, c'était quelque chose. Un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Hein? Alors, mais quand on y est dedans, dans le souci, c'est voilà, compliqué. C'est vrai. C'est compliqué. Alors, d'avoir donc toujours cette relation avec Dieu. Tout à fait. Avoir cette confiance. Ça fait mal, Seigneur, mais je sais que tu es là. Comme pour nous, dans notre vie, avec un couple, en famille, ce n'est pas toujours un rose tous les jours. Hein? Mais le fait d'avoir un mal, d'avoir, bon, je sais pas, je suis malade, j'ai mal aux dents, voilà. Mais là, le mari, la femme est toujours là pour nous encourager. C'est-à-dire, ces moments difficiles vont passer. Mais on fait confiance, parce que nous savons que nos épouses sont toujours là. Et pareillement avec le Seigneur. Parfois, même si nous arrivons, et c'était souvent, on n'arrive pas à comprendre. Mais Seigneur, je fais ta volonté, je fais tout ce que tu me demandes. Et là, pourquoi mon fils, pourquoi ma fille n'est plus là ? Pourquoi ma femme, pourquoi mon époux n'est plus là ? Alors, c'est toute une vision des choses.
C'est vrai, c'est difficile pour nous de voir comment Dieu voit les choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut s'imaginer. Il y a beaucoup de... Par exemple, je prends un exemple par rapport au diable, par rapport à Satan. Beaucoup disent, mais Seigneur, mais pourquoi Dieu n'a pas déjà au départ exterminé Satan? Et comme ça, on sera tranquille. Enfin, classé. Ça, c'est la vision de l'homme. Donc Dieu serait injuste à ce moment-là. Voilà. On va dire, merci Seigneur de n'avoir pas fait cela. Parce que là, il nous donne encore cette liberté de choix. Aujourd'hui, il nous invite, il ne nous impose pas, parce que nous ne sommes pas des robots, mais nous sommes des personnes qui ont un cœur. Et le Seigneur désire qu'on puisse prendre nous-mêmes notre décision. Qui nous voulons suivre, qui nous voulons servir. Voilà. Donc, ce qui est sûr, l'Éternel, notre Dieu, il est déjà éternel, il sait ce qu'il fait. Notre rôle, c'est de faire confiance, tout simplement. Peut-être que nous pleurons aujourd'hui, mais sachez qu'avec l'Éternel, il y a toujours une victoire, il y a toujours des victoires. Et il nous promet de riches bénédictions. D'ailleurs, dans l'histoire de la Bible, on prend l'histoire tout simplement de Job. Je pense que Job, c'était celui qui a reçu les plus grands malheurs du monde. Et nous avons vu quelle était son attitude. Toujours cette confiance. Et à la fin de l'histoire, on a vu qu'il a été rétabli. Même on l'a multiplié, ses bénédictions. Donc, c'est tout un ensemble de, mais on nous demande de toujours faire confiance, même si on ne comprend pas. Pardon. Alors, l'injonction, c'est de manger des viandes grasses, de boire des liqueurs douces. Et, chose importante, la suite, c'est envoyer des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Le trimestre dernier, nous avons parcouru donc des leçons concernant les plus démunis. Nous avons vu la semaine dernière comment les notables du pays ont restauré, ont ramené les dettes, ont épongé les dettes, ont ramené les terres, ont ramené les maisons, les fils, les filles qui étaient en esclavage, les troupeaux. Donc, ils ont des moyens maintenant, aujourd'hui, de faire la fête. Ils peuvent faire la fête. Mais le texte nous dit, eh bien, verset 10, hein, « Et envoyer des portions à ceux qui n'ont rien préparé. » C'est magnifique. Tout à fait. Là, on voit encore le souci. L'amour de Dieu, voilà. du partage. C'est ça. Il voulait partager ça avec son peuple ce jour-là. Parce que, sinon, entre nous, c'est pas juste, nous, on a préparé, toi, t'as pas préparé. Mais là, on nous appelle, l'appel, c'est de partager ce que nous avons reçu. C'est vrai, par rapport à cette remarque-là, j'ai vu très souvent, malheureusement, très souvent, ce genre d'attitude où lorsqu'on a des repas en commun, il y a ces deux réactions. Il y a ceux qui vont toujours, mais moi j'ai passé toute la journée pour préparer. Et eux, ils débattent comme ça, comme des fleurs, et puis voilà, ils profitent des autres. Voilà, ça c'est une façon de voir les choses. Mais il y a aussi la façon de voir... Mais je suis content de partager ce que j'ai préparé avec amour avec ceux qui n'en ont pas. C'est ça. Voilà, donc deux différentes façons de penser, mais au contraire, c'est une joie pour moi de partager avec ceux qui n'en ont pas. C'est ça. Voilà. C'est un plaisir vraiment immense de pouvoir voir, il y a des personnes qui sont en train de se nourrir, de se faire plaisir, et grâce à toi qui as préparé ce plat, ils sont heureux. C'est ça. Ça me fait plaisir. Bon, chacun a sa façon de comprendre les choses. Voilà, on est libre de penser et de faire ce que l'on veut. Alors, un petit dernier propos sur ce texte que nous venons de lire, pasteur, c'est « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Ah, il est super ce texte-là. « La joie de l'Éternel devient ma force. » C'est-à-dire que si l'Éternel est content, il nous bénit encore plus. Pourquoi nous affligeons-nous Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Donc, la joie de l'Éternel sera votre force. Eh bien, vous vous sentez faible, vous vous sentez affligé, acculé, eh bien, faites en sorte que vous puissiez rendre joyeux notre Père à tous, notre Père commun. Alors, la dernière partie du texte se trouve dans Néhémie chapitre 8, versets 13 à 18. Eh bien,
Là, on est au second jour et les chefs de famille, tout le peuple, les sacrificateurs, les lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et proclamer donc cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez, cherchez à la montagne donc des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrrhe, des rameaux de palmiers, des rameaux d'arbres, touffus, pour faire des tentes comme il est prescrit. Alors le peuple alla chercher les rameaux et se firent des tentes sur les toits des maisons, dans les cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué et de fils de Nun jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Donc voilà. Il découvre donc dans cette parole que pendant cette période, eh bien, il faut habiter sous la tente. Il faut sortir des maisons. Oui, ils appelaient ça, les Juifs appelaient ça la fête des huttes. Voilà. Voilà, c'était un temps de réjouissance. Il fallait se réjouir en l'Éternel. Voilà, la fête des huttes ou des tabernacles, ouais, qui rappelle donc le séjour dans le désert. Ouais. Hein, donc, c'était. Voilà, c'est. Vous imaginez, on sort de la famine. On a tout le monde a repris ses marques dans sa maison et le Seigneur dit, attends, sortez un petit peu de votre confort. Venez faire la fête avec moi en dehors de vos maisons. Ouais. C'est terrible, hein, ce qui se passe là. Eh bien, le peuple a fait. Donc, on est allé chercher donc ces palmes, ces branches et tout. Et il y a eu donc de grandes réjouissances. Et le texte donc du Pentateuque a été lu pendant tout un mois. Explication à l'appui, jour après jour. Et là, la fête des tabernacles ou des huttes, 7 jours de fête. Ça me rappelle un petit peu les mariages d'époque que nos grands-parents nous racontaient. Aujourd'hui, un mariage, bon ben, on va à la mairie, on va faire la fête à l'hôtel ou dans un restaurant et tout. Ou à la maison, si ça se fait encore. Et après, c'est fini. À l'époque, c'était toute une semaine. Si c'était pas deux toute semaines. La semaine, parce que les amis, la famille venaient des îles. Et donc, il fallait nourrir tous les jours, avant le mariage, pendant et après le mariage. C'était un temps de réjouissance, voilà. Voilà. Donc, il y avait des préparatifs en vue de ce mariage. Et là, aujourd'hui, donc, nous voyons ce peuple de Dieu donc, qui se réunit, voilà, ben ceux qui n'ont pas préparé, venez quand même. Oui. On fait la fête. L'objectif, c'est de se réjouir tout simplement. Voilà. De plus s'apitoyer sur leur sort. Alors, par rapport à la fête, je peux pas ne pas penser à ce texte. Les réjouissances dans le ciel, c'est quand un seul pécheur se repent. Il y a une grande fête dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Donc, c'est pour refaire un petit peu le lien avec cette eunuque. Hein. On dit qu'il a lu, qu'il n'a pas compris. On lui explique, il comprend et il se fait baptiser. Alors, j'ai eu le privilège hein, dans notre église d'avoir donc un couple qui est arrivé et donc il fallait se mettre en contact avec ce couple-là. Qui avaient des enfants, et comprendre comment ils sont arrivés là. Eh bien, ils ont compris la valeur donc, de la dîme, que ça appartient à Dieu, en lisant la parole de Dieu. Ils ont compris la valeur du sabbat, ont décidé donc de venir dans notre communauté et de se faire baptiser. Et ça, en laps de temps, mais court. Et le pasteur, donc référent,
qui n'est pas mon pasteur, qui est notre pasteur à tous, eh bien, je l'appelle pour lui dire ben, où ça en est les études bibliques. Hein, parce que baptisez-les, mais enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il me dit, eh bien, mon frère, tu te souviens de l'histoire de l'eunuque? Je dis oui. Eh bien, c'est eux deux. Voilà. Donc, je remercie le Seigneur le Seigneur les a inspirés. Ils ont pu comprendre. Et malgré que ça se répète, l'histoire de l'eunuque, eh bien, le Seigneur a pu les diriger dans cette belle aventure. Hein. Pasteur, est-ce qu'on a fait le tour de notre leçon? C'est-à-dire que bon, y a toujours beaucoup de choses à dire lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Hein. Mais ce qui est important à retenir dans cette leçon, c'est bien sûr le moment passé à la lecture, à rechercher la volonté de Dieu. Parce que le désir, le plan de Dieu, c'est qu'on puisse se rapprocher de cette parole. Parce que cette parole, c'est une parole vivante, c'est un évangile éternel. Donc, qui a besoin d'être connu, qui a besoin d'être expliqué, qui a besoin d'être prêché. Et notre objectif, notre situation, notre rôle par rapport à cette parole, c'est bien sûr de pouvoir le dire, de pouvoir le partager, de pouvoir le prêcher à tous ceux qui désirent l'écouter. Donc, comme c'est une parole vivante, toute personne désirant de pouvoir rechercher sa volonté, Dieu va se manifester en lui. Et ce qui est formidable, ce qui est magnifique, lorsqu'une personne désire rechercher la présence de Dieu, Dieu se laisse trouver. Et s'il se laisse diriger par l'Esprit de Dieu, des choses magnifiques, même des miracles, peuvent se passer dans la vie de personne. Plusieurs pourront témoigner de cela, que lorsque Dieu travaille dans la vie d'une personne, il devient une nouvelle personne. Et c'est justement ce désir de ce grand Dieu de pouvoir ramener ses enfants à la bergerie, parce que nous appartenons à Dieu, parce que premièrement c'est lui qui nous a créés, et deuxièmement parce qu'il a donné sa vie en mourant sur la croix. Donc il est deux fois propriétaire sur nous. Que s'est-il passé? Satan a voulu, il nous a chippé, il a voulu. Et Dieu veut récupérer, qu'on puisse revenir, parce que c'est Dieu notre Père, c'est lui qui nous a créés, le Dieu qui nous a créés. Mais voilà, il nous donne ce choix-là. Est-ce que nous préférons rester pour cet ange déchu, qui est Satan, ou nous voulons revenir à l'Éternel et puis jouir de cette bénédiction qu'il désire accorder à tous ses enfants? C'est la grande question pour nous aujourd'hui. Nous avons tous cette parole. Nous n'avons pas des rouleaux, mais nous avons aujourd'hui des iPads, des téléphones, des tablettes, voilà. Nous avons la version papier. Et dites-vous que ce que vous avez dans votre maison, à côté de votre lit, c'est une source de bénédiction. Ne passez pas à côté. C'est peut-être la vie éternelle qui était à côté de vous tous les jours, mais que vous n'avez pas trouvé la peine de pouvoir le lire, le comprendre et l'appliquer comme l'Éternel nous demande. La joie de l'Éternel sera votre force. Eh bien, une bribe de piste peut-être pour avoir la joie de l'Éternel passe peut-être par notre obéissance. Tout à fait. Notre obéissance à la parole de Dieu, notre obéissance à nos parents, notre obéissance à nos responsables. Et donc, mais en tout premier lieu, bien sûr, à la parole de Dieu. Eh bien, pasteur, je suis content que tu aies accepté mon invitation de partager la parole de Dieu. Plaisir. Si toutefois vous avez une question à nous poser, n'hésitez pas à appeler au 49 45 59 60. Nous répondrons à vos questions ou des personnes viendront donc pour répondre à vos questions directement. Sinon, posez-les sur le Centre Média Adventiste, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et vous avez aussi la possibilité donc d'aller sur notre site du Centre Média, et vous y trouvez aussi donc Hope TV, Hope Channel Polynésie, donc la Web TV. Eh bien, c'est sur ces paroles que nous allons conclure, et en vous remerciant de nous avoir suivis, et nous terminerons donc par la prière de notre pasteur.
Merci beaucoup. Nous allons prier. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous as donné avec mon frère Georges, de pouvoir discuter, partager sur ce moment avec cette leçon et surtout autour de ce thème qui est ta parole. Merci pour cette parole vivante, merci pour cette parole qui nous encourage, qui nous enrichit de jour en jour et surtout qui nous prépare pour le royaume que tu as voulu pour chacun de nous. Aussi accorde-nous de ce temps précieux de pouvoir plonger nos regards dans ta parole, car nous reconnaissons qu'il y a de riches bénédictions que nous pouvons obtenir si nous désirons plonger nos regards dans ta parole. Il y a la lecture, il y a la compréhension et bien sûr il y a l'application que tu nous invites à le faire pour pouvoir hériter de toutes ces bénédictions au travers de ta parole. Merci Père de nous, toujours nous aider à plonger nos regards dans ta parole et merci Seigneur pour toutes ces bénédictions que tu veux nous accorder car c'est dans le bon nom de Jésus que nous avons toutes ces grâces. Amen. Amen.